les doctorales, c'est pendant une semaine en séminaire avec une cinquantaine de doctorants, puisque c'est le nombre qu'on a cette semaine, les mettre en situation d'approcher davantage le monde de l'entreprise, de penser davantage à leur insertion professionnelle, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans les collectivités territoriales ou enfin dans le monde de l'emploi. Donc il y a un certain nombre de d'activités un peu imposées, la visite d'entreprise par exemple, mais aussi le fait, et c'est un temps fort des doctorales, que les doctorants, par groupe, travaillent et construisent un projet innovant tous ensemble. Les directeurs de thèse et les laboratoires doivent absolument s'engager dans la formation de leurs doctorants. Alors certes, sur un plan scientifique, ça c'est l'encadrement du thésard par le directeur de labo et par le directeur de thèse, mais la formation doctorale, c'est aussi donner tous les moyens aux doctorants pour qu'ils puissent s'insérer ensuite dans le monde professionnel. C'est aussi l'accompagner dans sa réflexion, dans son projet personnel et professionnel. Et ces doctorales, c'est vraiment un temps fort dans une thèse pour justement pouvoir réfléchir sur ce projet-là. Et donc, les directeurs de thèse et les directeurs de laboratoire doivent encourager leurs doctorants à participer à ce genre d'activité. Parce que la formation des doctorants relève aussi de leurs responsabilités et de leurs compétences.